Ça va, Québec? Oui! Wow, très content d'être dans votre ville. Je suis très content d'être ici à Québec. Vous avez tellement une belle ville. Il y a quelques jours, j'étais avec une amie, on se promenait dans le Vieux-Québec. C'était fou. Main dans la main dans le Vieux-Québec. C'était magique. Il y a des gens qui vont vous dire que la ville la plus romantique au monde, c'est Paris. Faux. C'est Venise. J'essaie de faire du sport, OK? J'essaie de me remettre en shape. Et je trouve ça dur de faire du sport. Je suis pas bon. J'ai essayé de faire du jogging, OK? Et dans mon quartier, je cours, OK? Et j'aime pas courir. Je trouve pas que c'est un sport, courir. Courir, c'est ce que tu fais quand t'es en danger, OK? Si tu cours, c'est parce qu'il y a quelqu'un avec un couteau derrière toi. Et j'aime pas courir dans mon quartier parce qu'il y a des bons coureurs. Tu sais, il y a des gens dans mon quartier, ils courent, sont en forme, sont équipés. Tu sais, ils ont des pantalons Lululemon, ils ont genre 12 bouteilles d'eau. Tu sais, ils courent, il y en a, ils mettent des poids. Ils courent avec des... comme si la vie était pas déjà assez lourde. Ils perdent du poids, puis après, ils remettent des poids. Branchez-vous. Ils courent, sont là, ils ont des montres qui leur disent leur battement cardiaque. Moi, dans mon quartier, je cours en jeans. Okay, c'est vraiment relax. L'autre fois, je courais, j'étais fier de mon temps, fait que je me suis allumé une cigarette, je courais. Les gens étaient comme, ah, come on, c'est la flamme olympique, OK? Non, j'aime pas les sports, j'aime pas... Il y a des sports que j'aime faire, il y a des sports que j'aime. C'est les sports de pauvres. Les sports de pauvres, ça me va. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. On était pauvres quand on était très pauvres. Pas pauvres comme t'auras pas Nintendo à Noël, là. Pauvres, genre, maman, je peux te prendre ma douche? C'est-tu ta fête? Tu sais, on était vraiment... On était pauvres. Fait que moi, j'aime les sports de pauvres. Est-ce que vous savez c'est quoi les sports de pauvres? C'est des sports qu'on dirait qu'ils ont été inventés par un vieux coach russe. Tu sais, mettons l'athlétisme. On s'entend que c'est des sports de pauvres. Il y a un gars qui est arrivé, il a fait « Vous, les garçons, courez. Premier arrivé, médaille. » C'est comme... Tu sais, le lancer du poids. « Vous, les garçons, prenez roche. Lancez. Lancez plus loin, médaille. » La natation, même affaire. « Vous, nagez. » Après, on fait quoi? « Eh, revenir. » Premier revenir, médaille. Ça, c'est des sports que j'aime. Ça, c'est des sports de pauvres. Parce que les gens forcent pour les sports de pauvres. Tu sais quoi la face d'un athlète quand il fait du sport? C'est ça. Ça, c'est un athlète, OK? Les sports de riches, là, vous avez vu leur face quand ils... Vous avez vu du patinage artistique? C'est ridicule. Ils sourient. Ils sont là genre... On dirait qu'ils te le remettent d'en face. Comme, on est riches, tu sais. Ça, c'est pas des sports. Les sports de riches, c'est ça. C'est des sports d'hiver, souvent. Parce que c'est des sports qui ont besoin d'équipement. Ça coûte cher. Des skis, tu payes ça 2-3 000 piastres. Puis tu le sais que c'est des sports de riches parce qu'ils s'est toujours gagné par des pays riches. Tu sais, les Olympiques, c'est toujours le Japon, le Canada, les États-Unis. Des pays qu'on connaît même pas, genre la Norvège. C'est les Norvégiens qui ont gagné le plus de médailles aux derniers Jeux Olympiques. Vous le savez, ça? C'est qui, eux? C'est qui, les Norvégiens? Quelqu'un connaît un Norvégien? Ils débarquent à chaque 4 ans, ils prennent toutes les médailles. C'est comme « Bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Merci, 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 merci. Ah, 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 ah. » Puis ils rentrent dans la terre. Tu sais, c'est comme... Ils sont où les médailles? C'est les Norvégiens. Fuck! Pour vrai, quand ils ont gagné, j'étais allé me renseigner, OK? Je voulais me renseigner sur ce peuple. J'ai regardé un film norvégien, OK, sur Netflix, et je l'ai mis en sous-titre. Ils ont vraiment une drôle de langue. Ils font des très longues phrases pour véhiculer des très petites idées. Tu sais, j'ai regardé le film, puis le gars est comme « Treffen treffe duschengram, treffen rudegar, refugering stichen de rubergan, treffen duchen treffe stichen de foreur. » Bonsoir. C'est là que j'ai compris, ah, OK, c'est pour ça qu'ils font juste des sports d'hiver. Ils peuvent pas faire des sports d'été, les Norvégiens. Tu peux pas faire du 100 mètres. Tu as déjà vu un Norvégien au 100 mètres? Ça va bien trop vite. Ici, c'est comme ready, set, ta! Là-bas, c'est quoi? Treffenham, Treffeldeun, Reppenhoffen de Steglagena, Reppenhoffendeun, Reppenhoffen de Schlein, Ruppenhoffen, Kremhem, ta! Ça marche pas, là. T'imagines le Norvégien au 100 mètres ici, comment il est là sur ses starting blocks, comme ready, set, ta! Treffenhoffen de Steglagena, Reppenhoffen, run! Gaan van groepen dat vergrieren generaal. Nu zeggen de vergaan. Hey ho, regent, groepen gaan, D'après moi, c'est pour ça qu'ils créent des sports. Je suis sûr que les Norvégiens créent des sports. C'est pour ça qu'ils gagnent des médailles. Parce qu'il y a des sports olympiques, on s'entend qu'ils sont un peu étranges. Je suis sûr qu'il arrive, il y a un comité de Norvégiens qui débarque au comité olympique international. Ils sont comme 3-4, ils se mettent chaud. Puis ils vont proposer des nouveaux sports. Il y a genre Olaf. Grunther et Rum Rum qui débarquent. Bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Puis le comité, le gars, ouais, on peut vous aider. Oui, nous avons de nouveaux sports à vous proposer. OK, le premier. OK.
OK, le premier sport, c'est le bobsleigh. C'est quatre hommes qui poussent un tube, je sais pas si c'est... Et après, ils montent dans le tube. Et après, ils glissent dans une glissade. Et ils sont... Puis le comité est comme... Ouais, non, c'est bon. C'est une idée de mon ami Olaf, le gars, comme je m'appelle Olaf, ta gueule, ta gueule. Nous avons autre sport, c'est le combiné nordique. Il y a un sport qui s'appelle le combiné nordique. T'es sérieux? C'est un nom de sport, ça? On dirait le nom des trios à Belle Province. On va te prendre un combiné nordique. Deux Simon Slotch! C'est quoi ce sport-là? Et le saut en ski! Ah, pour vrai, ça a été le plus fucked up. Le saut en ski, c'est comme... OK, nous avons un dernier sport à vous proposer. C'est le saut en ski. C'est homme, il va sur montagne avec très long ski et petit bâton. Et très frère, non, pas bâton. Il se place sur montagne et puis il glisse. Et puis il saute et puis il fait une petite sieste comme ça. Et puis après il se réveille, oh, pas encore arrivé, snooze. Et finalement atterrir plus loin, médaille. Allez, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Merci, Hussein.